altura. Se sentes como eu o vento a soltar nas verdades mais estranhas, mais impuras, e as nossas bocas têm para contar. Se sentes lá fora a chuva estremecida, como desenlaçar de uma aventura.
du vin blanc, ou du champagne, je sais plus. Non, champagne, il y avait un... champagne, ouais. Bah, alors tout le monde était cuit. Hein. Ah bon? Il y avait des beaux cerisiers en fer, hein. C'était magnifique. Beau, hein. Ah, oui. On a vu des cerisiers. Il y avait plein de cerisiers. Tu veux pas? J'ai la fiche de retour. Téléchargement. Rouge. Notre rouge, oui, merci, merci. Blanche. C'est toi. Qui a demandé un blanc? T'as commandé un blanc? Ah non, 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 il n'y a que des rouges. Il n'y a que des rouges, oui. Ok. Merci. Je vous en prie. C'est rigolo avec les petites trombones. J'aurais dit, je me suis trompée. 12h35. Ah, bah, ça va arriver. C'est du vin blanc avec un peu de ratio. Et là, c'est du vin blanc normal. Et là, c'est. Il y a de toute façon rouge avec ça. Moi, j'ai une prof de danse là, qui était absente. Et son mari a gastro, elle l'a attrapé. Son mari, deux jours après ça. Ah, c'est très contagieux. Il l'a attrapé, il toussait, il est corrompu. Il est gros, c'est pas les yeux. C'est la faire marcher le commerce. Ah oui, du croisière, c'est-à-dire du travail, du service. Ils ne répondent même pas, ça ne sert à rien. Par rapport au bateau, à l'avant ou à l'arrière? T'es où? À l'arrière. T'es à l'avant et vous êtes à l'arrière? Oui. C'est ça que je chante. On est à l'arrière. De ce côté-là. On est à l'arrière, de ce côté-là. D'accord. Alors, attends, je suis de ce côté-là aussi. Ils sont... Ils nous regardent. Il n'y a plus d'éducation. Oui, ça c'est sûr. Moi, je vois bien avec le mien, le droit de rien faire. On ne peut pas parler alors. On ne connaît pas quand il y a des adultes. On ne fait pas de bêtises. On ne fait pas de bêtises. Parfois, Vincent, je veux le droit de faire un verre. Alors, l'école, il y a ce truc en rouge. Ça va bien. C'est pratique ça. De temps en temps, ça se défait. Même le point comme ça. Ça se défait. Il faut faire des petits points. Et il y a du smog aussi. Ah oui. On a passé vraiment une partie très étroite du fleuve, qu'on appelle le Touat.
Et dès que nous allons sortir de l'écluse de Valera, vous allez voir, on va faire un grand virage à gauche et on va rentrer dans ce qui s'appelle le Cachin d'Avaléal, qui est l'un des endroits les plus, enfin avant la construction des barrages, je précise aujourd'hui, ça va être beaucoup plus calme, qui était l'un des endroits les plus dangereux du fleuve. Et jusqu'en 1861, se trouvait à cet endroit donc un énorme rocher qui obstruait la navigation. Il a été dynamité pour développer le commerce du vin un petit peu plus en amont. Lorsque ce rocher était présent, aucun bateau ne pouvait passer à cet endroit. Derrière.
avait de la marge quand même. Oui, il y avait de la marge. Intérieur dans notre bateau. C'est un bateau spécial pour transporter des plus petites. Nous avons commencé en mars 2015. C'est notre 8e saison. Ce bateau-là, il est équipé de tous les équipements et instrumentations nécessaires pour naviguer ici sur l'Idoro en sécurité. Nous avons dans cet écran, dans l'extrême, les caméras latérales pour voir qu'est-ce qui se passe à côté gauche et à côté droite. Nous avons les écrans centrales, à droite, toutes les informations des moteurs de propulsion. Ils sont 4 moteurs, 3 arrière et 1 avant. Avant, c'est un moteur de trappe. Et arrière, ils sont 3 moteurs, 10 par les propulseurs. Les propulseurs sont double hélice. Vous pouvez voir 1, 2 hélices sur chaque propulseur. Ils sont 3, 1, 2 et le troisième, c'est à gauche. Ces images, ils ont fait dans le chantier quand le bateau était en construction. Ces hélices, comme vous pouvez voir, elles tournent pour donner la vélocité et aussi pour donner la orientation. Il n'y a pas de gouvernail. Nous avons aussi un GPS, un radar et un profondimètre qui nous donne la profondeur du fleuve sur le bateau. Les moteurs, ils donnent la orientation, la guidance avec le joystick et les vélocités avec des accélérateurs. Maintenant, les 3 moteurs, ils travaillent ensemble. Mais il peut être opéré
chacun à chaque place, surtout pour faire les manœuvres d'entrer dans les écluses pour arrêter le bateau et pour faire déplacer le bateau parallèle à les berges s'il y a besoin. Si vous avez quelques questions, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut savoir combien de kilomètres on aura parcouru en tout? Combien de kilomètres depuis Porto, depuis Porto, 207. Puis il y a quelle profondeur? La profondeur varie beaucoup, entre 3 mètres et 90 mètres. Ah oui, d'accord. Merci. Presque 17 km à l'heure. Ah oui, quand même. Et quand on croise un bateau, il y a une radio avec... Oui, il y a des communications. Il y a le radar. Et il y a le radar aussi, la charte, le Tresco, et nous, c'est possible aussi, avec cette charte-là, voir des autres, d'autres bateaux qui viennent dans le sens contraire. Ah, oui. On est combien de passagers sur le bateau actuellement? 132. C'était plein. Quoi. C'est bien. L'écluse mesure 85 mètres.
Encore une fois, sous nos applaudissements de cette charmante danseuse de flamenco, Marta, Paola, Anna et Irène. Et donc maintenant j'invite les volontaires à effectuer la même prestation, surtout sur les talents. Mais je vais quand même, pour ceux qui ont envie de se dégourdir un petit peu les jambes.